Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CNC Fab qui est la suite de cette vidéo-ci sur la conception d'un fuselage de planeur. Donc cette vidéo va se faire dans Filshow NX que je lance. Et on va retrouver le projet ici. Voilà, c'était celui-là. Ok. Donc ça, c'était ce qu'on avait obtenu à l'issue de la vidéo précédente. Mais maintenant, je souhaiterais intégrer la découpe de la verrière et la découpe des clés d'aile. Donc si on repart de... Voilà, le croquis initial, c'était ça. Donc d'ailleurs, on pourrait ajouter quelque chose sur ce croquis qui serait pas mal, c'est de mesurer la distance entre ça et le bas du fuselage. Donc ici, elle est où cette ligne? Ligne guide à 395. Ligne guide. Donc si on regarde en bas ici, dans la barre d'état, la ligne guide que je viens de tracer, elle est à 395 mm. Et la première, elle est à 465. Donc si je fais la soustraction, oui, j'obtiens 70. Donc l'aile, elle est à peu près à 70 mm du bas du fuselage. Donc en tout cas l'axe des clés. Donc ça, je vais m'en servir dans mon projet après. Alors, mais avant ça, on va commencer par la verrière. La verrière, on va dire qu'elle commence quelque part par là. Elle va descendre et hein, on va la faire commencer à peu près sur ce point-là. Je vais zoomer. Hop. Et on va pas ressortir tout au bout parce que si on sort horizontal, ça fait un angle trop pointu et on peut perdre de la... On peut perdre de... Enfin, c'est plus fragile, on peut perdre de la solidité. On va faire sortir ici. Comme ça, si jamais on veut mettre un moteur, on a aussi un bout devant. Comment va-t-on faire? On va sélectionner tous les points entre ces deux-là. Donc on va user et abuser des fonctions copier-coller parce que ça permet de conserver des morceaux. Alors là par exemple, on va copier cette courbure. Hop. Alors je vais juste revenir en arrière pour voir où étaient les points. Voilà, c'est celui-là. Je désélectionne tout et c'était ici que j'avais commencé. Donc là maintenant je vais faire coller sur le premier point. Ça c'était le premier point de ma sélection. Je vais coller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait j'ai collé exactement les mêmes points, exactement au même endroit. Alors juste une remarque, je travaille toujours en vue de côté. Pourquoi? Parce que ça me permet de travailler à la fois sur l'emplanture et le saumon. Et ce qui fait que toutes mes modifications se répercutent des deux côtés. Et ça m'évite. Voilà, ça permet d'avoir un projet qui est tout de suite le bon des deux côtés. Là, ce petit morceau que je viens de créer, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter vers le haut. Alors, pourquoi vers le haut? C'est parce que quand ma verrière, je vais la décaler vers le haut et quand je vais la découper. Elle sera parfaitement positionnée par rapport au reste du fuselage parce que, et quand je ferai la vue du dessus de mon fuselage, elle sera découpée, elle sera ajustée en même temps que le reste du fuselage. Donc je vais la monter de 30 mm. Voilà. Là déjà j'ai mon bout de verrière. Maintenant je désélectionne avec échappe. Maintenant ce qu'il faut que je crée, c'est la partie basse, hein, mon baquet en quelque sorte. Donc pour ça, je vais prendre par exemple ce point ici, et avec la touche CTRL,
appuyer, je vais le déplacer. Voilà. Je vais prendre ensuite celui, je vais le désélectionner et je vais prendre le suivant et je vais créer le reste. Donc on est d'accord que c'est ce point-là qui sera le point de sortie, ce point-là le point d'entrée. Donc finalement, tous ces points-là qui sont ici, j'en ai plus besoin. Par contre, lui, il faut que je le désélectionne. Voilà. Donc je fais supprimer. Hop. J'ai créé mon baquet. Après, j'ajuste un peu, mais on verra que je pourrais ajuster après les deux ensemble. Donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai? Si je désélectionne tout, je vais me mettre ici. Voilà. Regardez le petit carré qui va avancer. Donc une fois que j'arrive ici, je monte. Je fais le haut de ma verrière. Et ici, bah, je reviens et je fais mon baquet. Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait maintenant ajouter aussi le baquet à la verrière du haut. Je vais le sélectionner. Alors pour ça, je vais utiliser quand même les trois premiers points là, c'est bon. Mais après, j'ai besoin d'aller dans les compteurs parce qu'ici, il y a trois points qui sont superposés. Non, deux points superposés. Moi, ce que je veux, c'est le point 67, celui qui est juste avant. Tac. Et tac. Voilà. Donc tout mon baquet est sélectionné. Le problème, c'est que il tourne de la gauche vers la droite. Donc si je le copie comme ça et que je le colle, ça va pas marcher. Ça va je vais vous montrer ce que ça fait si je le copie. Alors, je copie, je vais le coller ici. Et bah, il va se coller à droite, hein, puisqu'il tourne dans le mauvais sens. Donc ça, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ruser, je vais le sélectionner. D'ailleurs. On avait dit quoi? 67. Voilà. Et je vais l'inverser. Je vais inverser son sens, là, ici avec ce bouton, inverser le sens. Et maintenant, je vais le copier. Donc là, son sens est inversé. Je fais copier. Et maintenant, je fais undo. J'arrête, je supprime mon inversion. Voilà, il est de nouveau dans le bon sens. Mais par contre, ce qui a été copié, ça, c'est dans le sens inverse. Donc, je désélectionne tout. Je sélectionne le point où je veux que ça soit inséré. Et je fais coller. Et là, on voit. Alors bon, il y a des trucs additionnels parce que quand on colle quelque chose, là ici, j'ai collé le baquet et ensuite le logiciel il me crée un point pour revenir de l'endroit où je suis parti. Hein, donc j'ai un point en trop ou plusieurs en trop d'ailleurs. Il y a quelques points superposés. Donc je vais ruser. Ce que je vais faire déjà pour enlever tous les points doubles, je vais tout simplement faire un nettoyage. Je fais un nettoyage, je dis oui, hop. Et là déjà, il m'a enlevé les points doubles. Maintenant, j'ai juste à parcourir et à regarder, il doit y avoir un point ou deux en trop. Donc, je me mets ici, j'avance. Là, jusque-là, tout se passe bien. Jusque-là, ça va, je fais le tour de mon baquet. Et là, paf, voilà, il y a ce point-là qui est en trop. Donc le 70. Hop, j'enlève le 70. En bas aussi, 70, supprimer. Tac. Donc là, je suis pas mal. Alors, je reviens ici, je clique deux fois pour. Et j'avance. Et voilà. Donc c'est parfait. Mon baquet et ma verrière. Et comme ma verrière, elle est parfaitement verticale, enfin, à la ver dans, par rapport à mon bloc, et ben, lorsque je vais découper la vue du dessus, elle sera parfaitement alignée. Alors si je veux la modifier, si je veux modifier mon baquet, ce que je fais, c'est je prends ces deux points en même temps, j'appuie sur la touche CTRL et avec la flèche gauche, je les bouge et du coup, ils bougent de la même valeur. Donc je conserve toujours mon encastrement parfait. Pareil devant, je peux faire avec le point avant. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de mes clés d'ailes, de mes passages de clés d'ailes. Donc, je sélectionne ce point, je vais insérer un profil et je vais lui dire que moi, je veux un longeron circulaire. Alors, moi, j'ai pris mon diamètre, enfin, mon épaisseur là, c'est du 8 mm parce que j'ai en fait un tube de 6 et je me suis fait un fourreau, ça va faire à peu près 8 mm.
À quelle distance? Bah, pour l'instant, je ne sais pas, donc je vais mettre 5 et je vais laisser. Valider. Je zoome. Donc voilà, le froid a été créé. Il n'est pas forcément au bon endroit. Donc là maintenant, je vais le positionner. Pour ça, je vais me servir de l'outil de positionnement, de la sélection et de la barre d'état en bas qui indique toujours la dimension en X et en Y de ma sélection. Donc, je zoome en bas, je prends le point, par exemple, le point le plus bas, ici, le point le plus bas. Alors, je sais que là, mon fourreau, je lui ai demandé un diamètre de 8. Donc, verticalement, en Y, j'ai combien? J'ai 24. Et par rapport au centre, il faut que je rajoute 4. Donc, j'ai 28. J'ai 28,1. Moi, je veux 70. Donc, combien il faut que je rajoute? 70 moins 28, ben, 146, hein. 28,146, j'ai 41,854 de déplacement à faire. Donc je sélectionne mon fourreau et je le fais monter de 41,854. Tac. Donc là, il est à la bonne hauteur. Maintenant, faut que je trouve sa distance par rapport à l'avant. Donc si je sélectionne ce point et le point le plus avant, ici, je vois que j'ai 271,782. Si je reviens à mon croquis, j'ai 53 plus 76 plus 210. 53 plus 76 plus 210, ce qui fait 339. 339, alors que j'ai en x 271, donc je fais une soustraction, moins 271,782. Donc il faut que je me décale vers la gauche de 67,218. Donc 67,218 vers la gauche. Vers la gauche, c'est moins. Moins 67,218. Voilà, ma clé d'aile, mon fourreau plus exactement, est positionné au bon endroit. Par rapport à mon croquis initial. Maintenant, il faut que je fasse le deuxième. Comment je vais faire? Alors, ce que je vais faire déjà, lui, je vais le faire tourner un peu pour arriver un peu en face du. Je vais le faire tourner de, je sais pas, moins moins 10 degrés. Ça va faire quoi ça? C'est pas mal. Et encore moins 5, moins 10 encore. Voilà, là c'est bien. Donc du coup, j'arrive perpendiculaire. On est bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais insérer mon deuxième. Je vais partir à droite là. Tac. Donc là, je vais faire insérer. Alors, un longeron circulaire de diamètre 8 mm. Alors la distance, je vais mettre 20 parce que de toute façon, il faudra le déplacer. Et je vais valider. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lui faire faire déjà une rotation de 90 degrés. Voilà. Et ensuite, je vais le déplacer pour qu'il soit au même niveau que l'autre. Donc, je zoome,
prends un point du bas, un point du bas. Il faut que ça soit ici. On a dy à 0,207. Donc, ce que je fais, c'est que suite droite, je le remonte de 0,2. 0, on avait dit 207. Allez, hop. Est-ce que c'est bon? Cette fois, est-ce que je suis allé dans le bon sens? Voilà, dy, on est à 0. Maintenant, on va regarder par exemple le point le plus à gauche ici et le point le plus à gauche là. On a une distance en x de 16,055 alors que on veut 53. Donc 53 moins 16,055. Il faut se décaler de 36,945. Donc, je sélectionne 36,945. Voilà. Mes clés d'ailes sont placées au bon endroit. Alors, et en plus, les tracés noirs ici signifient qu'il n'y aura pas de décalage sur ces tracés, donc ce sera vraiment l'entrée minimale. Alors, il reste un dernier point à traiter, c'est celui de l'incidence de l'aile, puisque là, moi je vais utiliser un profil très quasiment symétrique. Donc les clés d'aile, l'alignement des clés d'aile représente quasiment l'incidence de l'aile. Donc comme je suis sur un planeur de voltige, je pourrais quasiment mettre le profil à plat, mais ça va, comme on a besoin d'incidence pour voler, le planeur va voler un peu queue basse. L'intérêt c'est qu'il volera de la même façon sur le dos et sur le ventre. Mais moi je préfère quand même qu'il vole un peu moins queue basse sur le ventre et un peu plus queue basse sur le dos. Donc ça dépend des valeurs qu'on a dans Prédimercé, enfin ou dans voilà dans moi que moi dans Prédimercé j'avais 2 degrés, mais je vais prendre que la moitié, je vais prendre 1 degré. Donc là j'ai tout simplement sélectionné mes deux clés d'aile et je vais faire tourner, je mets 1 degré. Je valide et mes clés d'aile maintenant se sont tournées de 1 degré, ce qui fait que mon aile aura un peu d'incidence. Alors pour avoir l'incidence suffisante pour voler en palier, il faudra que je tourne un peu plus, que je rabaisse légèrement la queue. Mais du fuselage, donc en vol, il aura un tout petit peu la queue basse, mais par contre sur le dos, il l'aura pas trop. Donc voilà, ça c'est le dernier point qui est l'ajustement de cet angle de clé. On a sur certains modèles on a un téton d'incidence. Moi comme j'ai deux clés, et ben, ce sont mes clés qui feront l'incidence. Voilà, fin de cette vidéo. Vous avez donc à la fois la découpe de la verrière, de son baquet et des clés d'aile, des fourreaux de clés d'aile. Dans la prochaine vidéo, on fera la vue du dessus. Et on montrera comment découper tout ça.